à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo swap. Alors c'est un nouveau swap que je fais avec Céline, toujours la même personne. Donc un swap wishlist, donc il est là, voilà. Donc on va commencer sans plus tarder parce que les swaps c'est toujours très long. Donc je vais sortir tout du colis et lire la petite lettre et je reviens. Donc voilà, tout est sorti des paquets. Donc je vois qu'elle m'a mis du comté fruité été 2015, comme ça, qui est sous vide. Il y en a un sacré morceau. J'adore fromage, ça tombe bien. Oh là là, je vais me régaler. Donc je mettrai ça au frigo juste après. Et je me régalerai bien. Ensuite, j'ai vu qu'elle m'a remis la saucisse qu'on a adorée. Elle était trop bonne. Fumée comme ça, trop bonne. Donc je te remercie parce que tu sais que le salé et moi, ça fait un. Ensuite, il y a des petits échantillons. Donc il y a la sultane de Saba, les corporelles de chez je sais pas qui. Voilà, comme ça. Ensuite, il y a des larmes de fantôme de chez Garantia en échantillon. Très bien, je pourrais tester. Ensuite, l'homme idéal de chez Guerlain pour hommes. Voilà. Et là, Lancôme, la nuit trésor. Un échantillon de chez Sephora. Je vais le sentir. Si j'arrive à l'ouvrir. Il sent vachement bon. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, elle a fait un petit menu, voilà, comme ceci. Alors, coucou, voici ton swap. J'espère que tout te plaira bientôt pour le prochain. Céline, tu remarqueras l'effort du menu. Oui, je vois ça, t'as fait un effort. Super. Alors. Numéro 1, voici mon cadeau spécial, j'espère que ça te plaira. Donc le numéro 1, c'est ça. C'est lourd, on dirait une bougie. Oh. Une bougie de chez Party Lit, essentiel jar, bougie parfumée. Écoute, je vais sentir. Désolée, j'ai le nez qui me gratte. Alors, elle est au melon et au citron. Elle est très douce. Elle n'est pas très prononcée. Et puis j'aime trop le pot, il est trop beau, j'aime trop. Il y a une bougie de plus à ma collection, j'adore ça. Voilà. Alors, j'ai craqué sur celui-là. Alors, numéro 2. Où es-tu, petit numéro 2? Il est là. Donc, c'est un cadeau de chez Sephora. Donc, je rappelle le thème, hein. Thème wishlist. Oh! Oh! C'est un petit parfum. Alors, excusez-moi, je mets. Voilà. Donc c'est un petit parfum monoï de chez Sephora. Oh. Oh là là, ils sont trop bons. Je trouve que l'odeur quand même est assez chimique. Ah mais ils sont trop bons. Pourquoi je vous fais voir? Oh là là, ça sent trop bon. J'aime trop. 3. Pour une peau douce. Là ça vient de chez Je Body Shop. Et le petit nœud, je vais le garder. Une peau douce. Dans ma wishlist, mais je m'en souviens même plus. Ça craint. Ah, top. C'est le gommage purifiant. J'en ai bien besoin parce que j'ai des boutons partout sur la tronche. De l'arbre à thé, donc Tea Tree de chez The Body Shop. Bon, l'odeur n'est pas fameuse, mais bon, c'est pour mon bien.
Donc merci. 4 et lumineuse. Donc là je vois à travers. Par contre j'aime trop leur petit nœud que je garde. Donc ça doit être je sais plus. Et ça c'est la lotion matifiante. Hop. Ça doit sentir pareil, je suppose. Ouais, ça sent pas très bon, mais bon. Il paraît qu'elle est très efficace, donc on verra ça. Super, je suis contente. 5. Burk, mais indispensable. Je sais pas. J'en sais rien. Pas du tout. Ah oui, je l'ai voulu, Bah oui, je l'ai voulu puisque c'est dans ma wishlist. Aurélie. Ah, c'est les petits packaging. C'est le patch nez charbon. De chez Sephora comme ça, donc je le testerai ce soir parce que j'ai des pendants sur le nez, ça me gonfle. Donc je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles dans le produit terminé. Ensuite 6, la base. Une base à paupières. Un mascara. Un concealer. Donc, je sais même plus ce que je mets dans mes wishlist. Ça vient de... Oh, si vous entendez. Ça vient de chez Kiko et c'est la primer base. Comme ça, la base pour les fards à paupières. Oh, top. Je suis contente. Merci. Bon, je dirais merci à la fin. 7 pour un joli teint. Where is the 7? Là. Ah, ça je dirais un concealer de chez... Ah oui, c'est ça. Si ça. Le full coverage. Désolée pour la luminosité, mais. La teinte. Oui, c'est bon. La teinte, elle serait comme ça. Oh, je testerai. Oh, j'aime trop l'effet du packaging. Merci. 8 et de jolis yeux. Fard à paupières. Ou les sourcils, je sais pas. Fard à paupières. Oh c'est laquelle? C'est laquelle? La 208. Ah, c'est les Water Eyeshadow de chez Kiko. Oh là là, c'est mon premier. Oh, c'est la couleur que je voulais le plus. Oh, il est trop beau. C'est la teinte 208. Voilà. Oh là là. Magnifique. Oh, je fais un swatch, mais j'en ai plein les doigts. Elle est magnifique, la teinte. Je sais pas si on va la voir. Très lumineuse. Oh là là. Je suis contente. Ensuite, ah, elle m'avait écrit pas pour des jolis yeux, mais pour tes jolis yeux. 9 pour tes jolies mains. Une crème pour les mains de chez You Body Shop. Bon, je me répète, mais je garde le petit nœud. Hop, petit nœud. Oh là là. C'est une crème pour les mains. J'espère que ça lâche celle à l'amande. Peut-être pas, c'est celle au chanvre. Je sais pas. Oh non, c'est celle à l'amande. Ah. Bon, elle a pris cher, mais c'est celle à l'amande. Ah. Oh, je suis contente. Je suis trop contente. 10. Complète le 7. Là. Bouh. Complète le 7. Ah oui, j'avais dit que je voulais deux teintes. Une pour l'été, une pour l'hiver.
Donc ça, c'est le numéro 2. Ouais, la teinte est un peu moins orangée. Ouais. Super. 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 Ensuite. 11. Heureusement, c'est tactile. Je dirais les masques pour les mains. Oh là là, oh punaise. J'ai testé celui-là à l'aloe vera, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je pourrais tester celui-là. Merci. 12. Pour tes petits petons. Donc ça, c'est le masque pour les pieds. Oh là là. Mais je vais me faire une totale ce soir. Oh là là. Bon. Ça va leur faire du bien parce que ils ont... Les pieds souffrent un peu. Beaucoup d'ailleurs. 13, tu as déjà le parfum. Je sais ce que c'est. Elle m'avait offert le parfum Le Prodigieux et là c'est le lait. Pas le lait, l'huile pour la douche. Oh là 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 là. Je l'ai en toute petite. Oh, 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 oh. Oh je suis ravie. Je l'ouvre pas mais. Oh. Ça sent à travers parce que j'ai une trop. Bonus, sont-ils mieux que les Bath & Body Works? Un gel antibactériel, merci Andy. Ou Weebies. Ouais, c'est merci Andy. Bon. Ah, je m'en suis mis là. C'est la Cherry. Ah, ils sont trop bons, ça sent la fleur. Ah, j'aime trop. Bah écoute, ça sent bon. Donc, voilà. Ensuite, 15. Je sais que la fraise n'est pas ton favori, mais teste celui-là. Une tartelette. Savoir laquelle et j'aimais pas l'odeur. Ouais. Crème à la fraise. Je suis pas fan. J'essaierai de faire un quart, brûler un quart. Et si j'aime pas, bah, c'est pas chercher ma maman. 16. Wishlist. Alors, 16, 1, wishlist, 2, bonus, et il le complétera parfaitement. Donc la patatine comme ça. Floral. Ah, donc ça, c'est le shampoing au dattier du désert, donc c'est un bonus, ça c'est bonus. Ça tombe bien, je voulais le tester. Donc. J'en ai entendu beaucoup parler, et là je pense que c'est l'après-shampoing. Voilà. L'après-shampoing de chez Chlorane. Ah, c'est trop longtemps. 17, bonus, il nettoiera tes habits et maquillage. Je crois que je l'ai. Si c'est un brochet, j'en ai déjà. Voilà. Ouais, j'en ai déjà. Donc c'est un brush egg. J'en ai déjà. Hein, ça tombe. Ben, ça m'en prend un deuxième. Hein, écoute, c'est pas grave. Tu peux garder l'eau pour ta peau. Regarde sur le site bonus. Tea tree toner, tonique, effervescent et purifiant. L'huile d'arbre à thé pour les peaux jeunes à problème. Donc ça vient de chez Lush. Bon, c'est un petit gel effervescent comme ça. Là, je regarde. Je regarderai sur le site. C'est la Tea Tree Toner Tab. Je regarderai sur le site comme tu m'as dit. Oh, il m'en reste plus que 3.
19 et 20. Tu le sais déjà. Oui, c'est des produits Snape. Parce qu'elle est allée en Suisse. Donc c'est la crème pour les mains. Comme c'est dur. Elle s'était trompée, elle m'avait pris celle-là alors que... Ouais, ça sent pas très bon, mais bon. Ça a pas terrible odeur. Mais bon, je m'en servirai. Je voulais celle à la fleur d'amandine, mais c'est pas grave. Et là, c'est la mousse de douche à la fleur d'oranger. Oh, je suis contente. Merci. Et le dernier... Bonus de dernière minute, je sais pas. Oh. Oh. Un rouge à lèvres de chez Kiko. Oui. Ça. C'est un color click lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est la collection artiste, je sais pas quoi là. J'aime trop le packaging déjà. Et la couleur, un orange. Alors je suis pas très orange. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est de l'acheter en solde. Écoute, je testerai. Voilà, parce que c'est quand même très flash. Je testerai, je te dirai des noms. Mais c'est vrai que c'est pas ma couleur, mais bon, en avoir un dans un placard, ça n'empêche en rien. Écoute, je suis très contente de ce que tu m'as acheté. Je suis ravie. Tout me plaît, il n'y a pas un truc qui ne me plaît pas. Bon, ça je l'ai déjà, mais c'est pas grave. La couleur du rouge à lèvres, bon, c'est pas trop ma couleur, mais je vais tester. Hein. En plus, on en était là, donc voilà. Mais je suis très contente. C'est déjà fini. Bon, j'ai voulu l'ouvrir avant mon anniversaire, donc voilà, elle me l'a envoyé. Elle a eu la gentillesse de me l'envoyer, de me faire confiance. Moi, le sien est toujours là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!